Exode chapitre 1er. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Exode 1:1. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout, 70 pour vous les Belges. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Dis à ton voisin, les persécutions sont indispensables à notre croissance. Si vous ne voulez pas que votre ennemi croisse, ne le critiquez pas. Amen. Si vous ne voulez pas que, n'est-ce pas, celui que vous détestez, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous ne voulez pas qu'un frère perce, prospère dans son appel, il faut l'ignorer. Parce que si vous faites des complots pour le combattre, vous allez l'aider. C'est exactement l'erreur que Pharaon a commise. Plus il l'accablait, plus il attaquait les enfants d'Israël, plus il multipliait. C'est ça le principe de la croissance spirituelle dans la Bible. Dieu, s'il veut te faire grandir, juste une parenthèse que j'ouvre, si Dieu veut faire croître ton ministère, il va susciter des ennemis qui vont t'accabler matin, midi, soir. Toi, tu vas voir ça comme des attaques de Satan pour te détruire, mais en fait, pour Dieu, c'est une grâce, c'est un moyen pour toi de pouvoir t'élever. Parce qu'au travers de la persécution, Dieu va enlever toutes les saletés, tout ça, il va te montrer à quel point tu as besoin de dépendre de lui. C'est alors que tu vas commencer à grandir, à croître. Donc la persécution est une vitamine indispensable à la croissance des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, il faut aimer la persécution. Tes persécuteurs, il faut leur rendre service, il faut même les encourager et les bénir. Donc ça ne sert à rien de combattre parce que la guerre n'est pas charnelle. Au contraire, il faut dire en tout cas c'est une grâce. C'est un moyen d'arroser. Dieu t'arrose comme ça. La Bible nous dit, donc, voyez Pharaon représente beaucoup de choses. Hein. Plusieurs personnages. Pharaon d'abord représente Satan. Ensuite, Pharaon représente aussi tous ses dirigeants spirituels. Tous ces prédicateurs qui se disent évangéliques, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, tout ce que vous voulez, présidents de fédérations, tout ça, qui ne veulent pas voir les enfants de Dieu croître. D'accord? Qui ne veulent pas voir l'appel qu'il y a sur ta vie émerger. Donc, ils vont vous accabler. Ça peut être physiquement, verbalement, ça peut être par des mails. Hein, on vous envoie des mails insultants et on peut faire des vidéos sur vous. Il peut y avoir tout un tas de choses. Tout ça, c'est justement pour vous empêcher de grandir. Suivez l'enseignement. C'est sûr, l'enseignement est basé sur le nom de Jésus. Mais nous voulons d'abord creuser un peu pour, avant d'en arriver là. Et j'aime la parole. Je crois que beaucoup de ceux qui sont venus ce soir aiment également la parole de Dieu. Nous voulons accorder beaucoup d'importance à la parole, à l'enseignement biblique. Et Pharaon n'a pas pu détruire ce peuple, n'est-ce pas, par la persécution. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va choisir un autre moyen. On nous dit, au verset
11, il va établir des chefs de corvée afin d'accabler le peuple par les travaux pénibles. D'accord? Et Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien, il y a rien de nouveau sur terre, ce qui existe a déjà existé. D'accord? Donc, Pharaon, c'est l'image de Satan, Pharaon, c'est l'image des gourous, c'est l'image des gens qui ne veulent pas voir le peuple émerger. Regardez dans nos églises actuellement, la plupart de nos églises, frères et sœurs, vous êtes chrétiens, vous fréquentez les assemblées locales, ok. Ça fait combien d'années que vous fréquentez ces assemblées? 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et quel est votre appel? Quel est votre ministère? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli pour Dieu? Vous allez vous apercevoir que dans la plupart de nos églises aujourd'hui, le nom de Christ, le nom de Jésus n'est pas révélé. Le nom du Père n'est pas connu. Vous posez aux chrétiens, le nom du Père, c'est quoi? Quel est le nom du Père? Notre Père céleste. D'accord? Vous allez vous rendre compte que beaucoup de pasteurs ne connaissent tellement pas le nom de Jésus qu'ils sont devenus des véritables pharaons. Et ces pharaons ont établi des chefs de corvée sur les chrétiens. Vous savez les chefs de corvée? Chefs de protocole, chefs d'intercession, chefs d'accueil, voyez? Donc il y a tellement de minuscules, de mini, équipes, tout ça là. Et dans cette grande entreprise, dans ce grand empire qu'on appelle église locale, à la tête de laquelle il y a Pharaon qui est là, et autour de Pharaon, bien sûr, il y a des chefs de corvée. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Amen. C'est pas un message comme d'habitude pour plaire. Ces chefs de corvée, leur travail c'est quoi? C'est de te faire faire des corvées. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu devient pour toi une corvée. Chanter devient une corvée parce que tu es dans une chorale et tu as un chef qui est là qui te dit comment tu dois chanter. Amen. Quelle technique vocale tu dois avoir. Il y a d'autres chefs de corvée, à part la chorale, il y a aussi un autre chef de corvée. Lui, son rôle, c'est de s'occuper des finances avec une équipe. Il doit vérifier que chaque chrétien a reçu une enveloppe sur laquelle c'est écrit, il y a écrit dîme. Alléluia. Amen. Ok, on peut continuer? Amen. Donc, donner même les offrandes devient une corvée pour toi. Quelque chose de difficile. Et si tu n'as pas l'argent, tu vas t'asseoir au fond de la salle. Et si tu as de l'argent, tu vas te mettre devant parce qu'il faut que le pharaon te voit. Comment tu donnes? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? D'accord. Le chef de corvée. Il y a un chef pour s'occuper de la salle qu'on appelle l'église de Dieu. Avec une équipe pour nettoyer la salle. Ça, c'est leur corvée. Il y a un autre chef, comme je vous ai dit, pour l'évangélisation. C'est-à-dire pour aller évangéliser, on dit, voilà, demain nous allons sortir pour aller évangéliser. L'évangélisation ne se fait même pas de manière spontanée. C'est tout un programme préétabli, tout. Chef de corvée. Un autre chef de corvée, on a vu chorale, protocole. D'ailleurs, vous allez les protocoles, vous les voyez, ils sont habillés d'une manière, remarquable. On peut facilement les discerner de loin. Ils ont une tenue. Voilà les chefs de corvée qui sont établis sur les chrétiens. Maintenant, si vous voulez intervenir en dehors de ces chefs de corvée, vous allez avoir affaire à Pharaon. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que ça vous rappelle nos églises d'aujourd'hui? Amen. Dis à ton voisin, tout est dans la Bible. C'est impressionnant. Le pharaon, lui, il est dans son palais. Avec la reine. Vous n'avez pas l'impression que beaucoup de femmes de pasteurs sont devenues des reines? La simplicité qui doit être, n'est-ce pas, la base du ministère pastoral, la simplicité a disparu. C'est-à-dire, pour voir l'homme de Dieu, soi-disant, entre guillemets, il faut toute une gymnastique.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin ce soir, c'est le nom de Jésus. Mais nous sommes en train de préparer le terrain pour le nom de Jésus. Vous êtes, je parle, pourquoi Dieu veut que je parle d'abord de ça? Pour que vous compreniez pourquoi il nous faut la révélation du nom de Dieu. Parce que beaucoup sont esclaves. Il faut d'abord qu'on te montre à quel point tu es esclave. Et pourquoi tu as besoin de la délivrance? Par la révélation du nom de Jésus. Tu peux être aussi, mon frère, ton propre pharaon. Amen. C'est terrible. Amen. La chair a des désirs contraires à feu de l'esprit. Tu peux t'emprisonner par ta culture sans même t'en apercevoir. Alors, le peuple s'accroissait. Pharaon dit, il ne faut pas que le peuple croisse. Il faut l'empêcher de grandir. Vous n'avez pas vu que à chaque fois qu'il y a un réveil, ce sont les religieux qui l'attaque. Regardez dans l'histoire de l'église. Quand l'église est née, il y avait un puissant réveil dans Actes 2. Le nom de Dieu était révélé. Qui sont ceux qui l'ont attaqué? Les religieux. Amen. Pourquoi? Parce que c'était des chefs de corvée. Amen. Et quand le peuple a commencé à grandir, l'église a commencé à grandir, les pharisiens et les chefs de corvée se sont levés. Et à la tête des pharisiens, il y avait un pharaon, Hérode. Amen. Il y avait un autre pharaon, Pilate. Il y avait un grand pharaon qui coiffait tout le monde, c'était bien sûr César, qu'il fallait adorer. Vous voyez que tout est dans les Écritures, frères et sœurs. Alors, on établit des chefs, des corvées sur eux, et pour quelle raison? Parce que le peuple devait construire des magasins pour pharaon. Dis à ton voisin, c'est grave. Hein? Vous n'avez pas vu que des chrétiens, vous n'avez pas réalisé que des chrétiens ne construisent, ne bâtissent plus le royaume de Dieu, mais ils bâtissent les empires de leurs pasteurs. Qui a constaté cela? Voyez, depuis 5 ans, 6 ans, tu as payé la dîme. L'argent de la dîme, on a fait quoi avec? Amen. Vous n'avez pas vu que beaucoup de chrétiens sont comme les, sont devenus esclaves des pharaons, des chefs de corvée? Ils donnent beaucoup d'argent pour construire quoi? Eh bien, c'est pas pour faire avancer l'œuvre. On ne construit pas l'orphelinat pour les orphelins. On s'occupe pas des veuves. Les assemblées d'où vous êtes sortis là? Quand est-ce qu'on a été donné de l'argent aux veuves? Les orphelins. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Regardez les chefs de corvée. Si tu manques l'appel un dimanche, on va même citer ton nom. Jacqueline n'est pas là aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Il faudrait l'appeler la semaine pour savoir pourquoi elle n'est pas venue. Pourquoi? Parce que la dîme de Jacqueline n'a pas été apportée à la maison du trésor, c'est-à-dire la poche du pasteur. Alléluia! Amen. Tiens, le voisin, c'est que l'introduction. Ici à Bruxelles, là, ça va passer. Je vous dis là, on va sentir le feu. Ça va chauffer, frères et sœurs. La Bible nous dit, comme ils n'ont pas pu éteindre, ils n'ont pas pu tuer ce peuple, détruire ce peuple, ils ont décidé maintenant, n'est-ce pas, de détruire tous les mâles, tous les enfants mâles qui allaient naître. Et c'est ainsi que Moïse va naître. Moïse. Moïse, l'homme du réveil. Moïse, le prophète que le Seigneur a appelé pour libérer son peuple. Voyez, dès sa naissance, on a voulu, bien sûr, l'exécuter. Mais ce qui est magnifique ici, je suis toujours dans le nom de Jésus, ne vous inquiétez pas.
Ce qui est magnifique, quand j'étudie l'histoire de Moïse, c'est que dans ce même palais, d'où était, n'est-ce pas, sortie cette loi, ce décret pour tuer Moïse, c'est dans ce même palais que Dieu va amener Moïse pour être nourri, pour manger à la table de Pharaon. Et Dieu n'a même pas montré, les magiciens, les astrologues, les voyants de Pharaon n'ont même pas vu que cet enfant allait un jour les combattre, libérer le peuple, mes amis, les exterminer. Les magiciens, les astrologues n'ont pas vu. Je veux que tu saches que nous avons le Dieu qui connaît tout ça, qui peut aveugler Satan, les démons, les sorciers, tes ennemis, frères et sœurs, et on t'a marqué. C'est pourquoi j'aime les sorciers. J'aime les voyants parce qu'ils ne le voient pas. Cet homme-là a vu un jour quelqu'un. En fait, quelqu'un est venu le voir. En fait, quelqu'un est allé voir quelqu'un pour lui dire, nous avons trouvé le Messie. Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Vous savez, le figuier est un cime, qui est assez dense. Quand on est en dessous, on ne voit rien. On ne voit pas de loin, on ne te voit pas. Mais l'œil de Jésus de Nazareth a percé la cime de cet arbre. L'œil de Jésus voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire, aussi grosse que l'univers, et en pleine nuit ténébreuse. Et non seulement que son œil voit la fourmi qui est cachée, mais il voit également les boyaux qui sont à l'intérieur. Frères et sœurs, je suis en train de balayer ce loin. Porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire passe. Qui est ce roi de gloire? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Caché pendant des années, on nous l'a caché, frères et sœurs, mais le temps de la révélation, frères et sœurs, alléluia, est arrivé. Il y a des amoureux ici, il y a des passionnés ici. Non, on a voulu tuer Moïse, mais Dieu l'amène dans son même palais. Et Dieu dit à Pharaon, nourris-le. Quand Pharaon mangeait les entrecôtes, Moïse aussi réclamait sa part. Pharaon était en train de, mes amis, d'engrossir, d'engraisser son futur adversaire. Mes amis. Maintenant, Moïse, à l'âge de 40 ans, tue un Égyptien. Il quitte l'Égypte. Il devient un simple berger. Dis à ton voisin, berger. Attends. Qui croit que Moïse était prince? Il était un prince, n'est-ce pas? Oui. Il était prince, un grand homme. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en acte. Dieu l'a brisé. Pendant 40 ans, Dieu l'a brisé. Moïse sentait, mes amis, sentait, oh, alléluia, la brebis. Il sentait, il dégageait l'odeur des brebis. Voilà un prince qui maintenant, mes amis, était dépouillé. À 80 ans, Dieu le visite. Quelle révélation! Moïse était en train de paître son troupeau et un buisson ardent, mes amis, se manifeste. Voilà, et Dieu l'appelle. Moïse, Moïse, ôte tes souliers de cet endroit. Et Dieu lui dit, va et libère. Tiens, ton voisin, c'est le temps de la libération. Moïse, va et libère mon peuple. Mes amis, regardez. Vous avez vu tout ce que Moïse a vu? Il a vu de grandes choses. Hein? Regardez. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian.
et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un puits buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'est le feu dans lequel étaient Shadrach et Meshach, avec Nego également. Il ne s'était pas consumé. C'est le feu dans lequel tu vas être, le feu du réveil, frères et sœurs. Ça consume le péché, mais toi, ça ne va pas te consumer. Ça consume Satan, les démons, tes ennemis, mais toi, tu seras toujours dedans. Tu vas dormir dedans, tu vas te baigner dedans, tu vas manger dedans, tu ne seras jamais consumé. Mais ceux qui vont t'approcher dans des mauvaises intentions seront consumés au nom de Yeshua. Il a fait les anges de vin et de ses serviteurs de flammes de feu. Oh. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est ce feu qui a quitté nos églises et il est en train de revenir, frères et sœurs. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Jesus Christ, ça c'est le nom de Yeshua. Une mer de feu sortait du trône. Waouh! Moïse voit ce feu. Et la Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel va, vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dis à ton côté, Dieu te connaît par ton nom. Dieu dit, n'approche pas d'ici, tu ôtes tes souliers de ce lieu, de tes pieds, pardon, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis qui? Le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est à l'Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Tiens ton voisin, Dieu connaît tes douleurs. Pendant des années, des chrétiens, depuis des années, des chrétiens pleurent. Dieu, nous sommes fatigués. Dieu, il y a des chefs de corvée sur nous. Dieu, il y a des pharaons qui règnent sur nous. Dieu, nous sommes devenus des esclaves des pasteurs, des esclaves de la religion, des démons, des sorciers. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, où es-tu? Dieu, où sont les conversions authentiques? Où sont les délivrances, les miracles? Dieu, où es-tu? Non, Dieu sait. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où, n'est-ce pas, les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Écoute. Il y avait déjà des gens qui habitaient ce pays. Mais ce n'était pas pour eux, ce n'était pas leur territoire, c'était des squatteurs. Il y a des gens qui occupent des lieux qui t'appartiennent. Il y a des gens qui possèdent des choses qui t'appartiennent, frères et sœurs. Il y a des bourgmestres, des maires qui règnent sur des villes. Alors que Dieu dit, la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Père, frères et sœurs. Il y a des pasteurs qui gèrent des églises à votre place. Et le temps est arrivé, frères et sœurs. Oh my God, Dieu va le faire démissionner, frères et sœurs. On n'est pas encore dans le temps. Là, nous sommes en train de balayer seulement la frère et soeur. Il y a des endroits qui sont occupés par des personnes que tu dois chasser, frère et soeur. Mais avant que tu les chasses, tu verras d'abord le feu. Tu auras la révélation du nom, du Père, la révélation de la personne qui t'a créé. Tu Alléluia. Sure.
peuple. Oh, ceux qui ont le ministère d'Élie. Les libérateurs qui sont ici. Thank you.
Amen. Amen. On peut prendre place. On aime sa présence. Le feu du réveil. Qui aime sa présence? Oh, on aime beaucoup sa présence, n'est-ce pas? Elle nous fait du bien. Moïse, je l'appelle. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Le Seigneur le visite. Visite cet homme. Lui dit, va et libère ce peuple. Vous savez, Moïse était un prince. Il connaissait les divinités égyptiennes. Il connaissait la puissance de Jannès et Jambrès, selon 2 Timothée 3, les magiciens de Pharaon. Moïse savait que ces hommes étaient très puissants dans l'occultisme. Ils étaient capables de détruire les gens à distance. Moïse savait que Pharaon était considéré comme une divinité par les Égyptiens. Moïse savait que sa mission n'était pas facile. Moïse savait que les divinités égyptiennes portaient des noms tels que Ra. Alors Moïse, n'est-ce pas, entre Dieu lui parler, et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Moïse lui dit, le verset 10, Dieu lui dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire en ce temps, juste avant l'enlèvement de l'Église, dans le monde entier, le Seigneur est en train d'appeler des Moïse. Dans toutes les églises, il y a des Moïse qui sont là. Il y en a, on ne les connaît pas forcément, mais ils sont en préparation. Ils sont en train de recevoir la révélation de Dieu dans le secret, chez eux. Ils ont constaté que nos églises sont malades. Ils ont côtoyé Pharaon. Ils ont été en Égypte. Ils connaissent le système babylonien. Ils ont été dans ce système. Et ils sont, n'est-ce pas, ils sont fatigués, dépouillés même. Et Dieu les sort, comme Moïse. Il les a sortis. Ce n'est pas pour les garder à la maison éternellement. Il les a sortis de ces églises pour les préparer dans les coulisses. Dieu les guérit, il guérit leur cœur. Voyez, il y en a même qui ont dit, moi, les églises là, africaines, européennes, je n'en veux plus. Et Dieu les prépare comme ça, Dieu les guérit, Dieu les guérit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse maintenant, repars en Égypte. Dieu dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Moi, berger, pour que tu me dises, va affronter Pharaon. Mais avec quelle puissance? Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur, je n'ai pas fait la théologie. Dieu dit tout ça, ce n'est pas mon problème. Va. Alors, Moïse dit à Dieu, d'accord, tu m'envoies parler à ton peuple, mais regarde ce qu'il dit. Dieu lui dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous savez, Dieu libère son Église, vous savez pourquoi? Pour qu'elle le serve véritablement. Amen. Le peuple a servi Pharaon pendant 400 ans. Le peuple a servi les hommes pendant 400 ans. Comme beaucoup de chrétiens, au lieu de servir Dieu, ils ont servi les pasteurs. Alléluia. Porter la Bible d'un pasteur, c'est une insulte aux chrétiens. Tu n'as pas été sauvé pour porter la Bible de ton pasteur. Il est assez grand, assez fort pour sa propre Bible. Alléluia. Pendant des années, tu as servi ton pasteur. Nettoyer sa voiture, tout ça. Nettoyer la salle du pasteur, le bureau du pasteur. Attention. Tu avais la grâce, soi-disant, d'avoir la clé de son bureau. Maintenant, tu réalises qu'en fait, tu étais à son service. Tu étais son esclave. Amener ses enfants à l'école, n'est-ce pas? Aller nettoyer sa voiture, aller conduire les invités qui venaient de loin ici et là comme un chauffeur. Tu croyais servir Dieu, mais tu servais Pharaon. Tiens, ton voisin, je ne suis plus esclave.
qui se sent libéré ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Cotiser de l'argent pour à payer l'hôtel 3 étoiles au grand bishop qui vient des États-Unis. Alors que Jésus-Christ dormait dans une... Il est né dans une étable. Mais toi, le bishop, tu ne peux pas voyager en classe économique. Tu veux seulement première classe. Et les chrétiens voyagent en classe économique. Alléluia. Tiens, ton voisin, la délivrance arrive. Maman pasteur ne jeûne jamais. Seulement les chrétiens qui jeûnent. Alléluia. Les chrétiens sont assis sur des chaises en plastique. Les pasteurs sur des fauteuils en cuir. La vérité. Tiens, ton voisin, tu peux aller t'asseoir là-bas. Alléluia. C'est pas notre salle. On la loue, je précise. Le temps de l'esclavage est fini. Amen. Fini. Faire les ombres de la femme du pasteur. Ça existe ici aussi. Hein? Mes amis, Dieu dit à Moïse, va, libère mon peuple, le signe qui atteste que je t'ai envoyé. C'est quand tu libéreras mon peuple, vous allez me servir ici. C'est-à-dire, Dieu te libère en te révélant son nom pour que tu le serves véritablement. Amen. Pendant 10 ans, tu as servi ton église locale. Maintenant, tu vas servir Dieu. Amen. Pendant 10 ans, tu as servi ta religion. Maintenant, tu vas servir Jésus-Christ. Quand on sert Jésus, on n'a pas besoin de prouver aux gens. Amen. Que je fais ci, je fais ça. Tu prends ton argent, tu vas acheter des Bibles, tu vas à la gare du midi, tu les distribues. Amen. Tu prends ton argent, tu achètes à manger, tu vas voir les clochards. Amen. Tu leur donnes des sandwichs que tu as. Tu as fait des sandwichs pour les bishops, maintenant fais des sandwichs pour les clochards. Amen. Tiens ton voisin, tu vas être libéré ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui avez vos voyants en Afrique là-bas pour envoyer l'argent chaque mois pour qu'ils vous disent des visions. Amen. Vous qui payez les loyers de vos voyants là-bas en Afrique, vous allez être libérés ce soir. Aussi, la vérité. Ah, mon pasteur m'a dit, mais Dieu t'a dit quoi? Hein? Vous allez me servir. Mon peuple a construit les magasins pour Pharaon. Mon peuple a servi Pharaon et les chefs de corvée. Maintenant, le temps de servir Dieu est arrivé. Le temps d'adorer Dieu en esprit et en vérité est arrivé. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Le Père. Est-ce qu'on a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en costume et cravate? Non. En soutane? Non. Vous avez même des pasteurs ici qui ont leur traductrice là, des femmes. Ils se baladent partout avec leurs interprètes femmes, alors qu'ils sont mariés. Tout ça là, il faut casser tout ça. Babylone était installé ici à Bruxelles. Mais Dieu va tout raser, tout briser, tout casser. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, ce monsieur va parler. Frère, ah non, je ne suis pas frère. Moi, je suis apô. Je suis papa. Non, mais attends, est-ce que tu es né papa? Non. Jean l'apôtre, on l'appelle frère aussi. Il était vieillard. Quand il a écrit à Paul, il dit, moi, Jean, votre frère. Dis à ton voisin, nous sommes frères et sœurs. Mérite la délivrance. Amen. Alléluia. Quand on va faire la délivrance. Amen.
Jésus. Est-ce qu'il s'énerve? Ils ne servent pas Jésus. Va et libère. Ok, Dieu, d'accord. Tu m'as dit que je dois aller libérer ton peuple, d'accord. Tu me dis que tu seras avec moi, d'accord. Je n'en discute pas. Et puis tu me dis que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'accord, mais le problème, Dieu, c'est quoi? C'est que Jacob, tout ça, Abraham, ils sont morts il y a 400 ans. Maintenant, toi, tu me dis d'aller libérer ton peuple. D'accord. Mais les Égyptiens ont des dieux qui portent des noms. Mais si on me demande, si les Hébreux me demandent, ok, d'accord, tu as dit que Dieu t'a parlé, d'accord. Qui t'envoie vers nous pour me libérer? D'accord, il n'y a pas de problème. Il a manifesté sa puissance, d'accord. Mais s'il me demande, quel est son nom? Frère, est-ce que Moïse a demandé le nom d'un apôtre ici? Non. Est-ce qu'il a demandé le nom d'un prophète? Non. D'une dénomination? Non. Mais regarde comment nous sommes. Moi je suis de l'église pentecôtiste, mais Dieu ça moque. Moi je suis évangélique, t'es évangélique, mais ça me moque le Seigneur. Pour aller au ciel, il n'y a pas besoin que je porte le nom évangélique ou baptiste, tout ça. Oh, moi je suis kimbanguiste, Kimbang est mort. Un prophète congolais. Oh, moi je suis antoniste, Antoine est mort ici en Belgique. J'étais en Belgique. Je parcourais la ville, j'ai vu un bâtiment, on a écrit église antoiniste, tout, je sais pas quoi là. Mais Antoine est mort. Pourquoi vous voulez vous attacher au nom des hommes? Quel est ton nom? Vous savez, je vais vous dire une chose. Le nom d'une personne, au nom d'une personne est attaché, n'est-ce pas? Sa personne, sa personnalité, son autorité. Vous voyez, quand Dieu disait à Adam, donne le nom aux animaux. Vous savez pourquoi le lieu comme ça? C'est Adam. C'est quand Dieu disait à Adam, tu vas donner le nom aux animaux. En fait, ne vous arrêtez pas seulement sur le nom. Voyez derrière ce qu'il y a derrière le nom. Vous comprenez pourquoi Dieu a changé des noms de personnes dans la Bible. Jacob, fini, Israël. Pierre, c'était Simon avant. Vous voyez? Parce que la pleine puissance, il y a un esprit qui est attaché au nom. Donc quand une personne reçoit un nom à sa naissance, elle reçoit en même temps une personnalité, un esprit. Vous voyez? C'est important de le savoir. Abraham, il est devenu Abraham. Vous voyez?
changer leur nom. Nous, nous sommes tellement charnels que nous nous arrêtons seulement au nom. Mais en fait, Dieu est esprit. Il voit derrière ces noms-là un héritage maléfique. Une destinée, mes amis, maléfique. Et Dieu change ça, balaye ça en changeant leur personnalité. Leur nom, leur personnalité. Donc quand Moïse demande le nom de Dieu, il demandait en même temps quoi? Sa personnalité. Il demandait en même temps, frères et sœurs, sa gloire. Parce que Moïse le savait. C'était un Hébreu. Et les Hébreux savent l'importance, n'est-ce pas, des noms. Si le lion peut avoir ce caractère, c'est parce que Adam l'a donné son nom. C'est Adam. C'est pour ça que dans Genèse 11, les hommes de cette époque se sont dit quoi? Faisons-nous un nom. C'est ce que nous faisons ici dans nos églises. Église baptiste, ils se sont fait un nom. Pentecôtistes, ils se sont fait un nom. Mais c'est bien tout ça là, mais où est le nom de Jésus? L'église pentecôtiste, quand vous rentrez dedans, mais où est Jésus dans tout ça là? Vous comparez ces églises pentecôtistes à la Pentecôte biblique. Il y a une différence. Vrai ou faux? On s'est fait des noms. Église baptiste, l'église la manne cachée, la manne cachée, la manne a déjà été révélée. Pourquoi elle est toujours cachée? Vous voyez, le sang précieux qui ne sanctifie même pas leur vie, c'est toujours la publicité, le mensonge, trafic des faux papiers, tout ça, dedans. Amen. Jalousie, sorcellerie, division, mensonge, dedans. Amen. Vous savez comment nous sommes, nous avons construit des Babylone ici et là, des noms. Il y a surtout des noms sur les hommes. Bishop, archibishop, mon premier, évêque, révérend. Il y a même des révérends. Maintenant, révérend, pasteur, apôtre des nations. C'est grave. Alléluia. Non, les noms. Vous avez vu déjà certains médicaments? On ne peut même pas les lire correctement. Les glories, si, je ne sais pas quoi là. Il y a tellement de noms bizarres. Même le malade qui prend ce médicament, il se dit, je ne peux même pas tout lire. C'est pas grave, je bois, mais je ne sais pas ce que ça va produire à moi. Vous voyez, les noms bizarres. Oui, frères et sœurs. Oh, mais ma Bible me dit que Jésus a reçu le nom. Amen. Qui est au-dessus de Jesus Christ. Qui peut être nommé non seulement dans ce siècle-ci, ni dans le siècle passé, mais dans le siècle. Moïse demande le nom de Dieu. Moïse avait compris que s'il avait ce nom-là, il allait être au-dessus de Pharaon. Au-dessus des magiciens. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Si on dit Jacques, hein, si Jacques est là, il va se lever. Vrai ou faux? Je prends un exemple. Hein, juste un exemple. Oh, Dieu est magnifique. Le nom de Dieu. Hugo, s'il vous plaît. Pourquoi il vient? Parce qu'il s'appelle Hugo. Bravo. Bah ouais. Mais là, si tu as le nom de Jésus, le nom de Dieu. Hein? Oh. Donc, partout où tu es, si tu prononces seulement ce nom, tu es là. Donc tu n'as même pas besoin qu'on t'appelle prophétesse.
Non, moi je suis de l'assemblée évangélique. Notre pasteur, on s'en fiche maintenant. Qui veut la délivrance ce soir? Qui veut le réveil ce soir? Alors changeons de mentalité maintenant. Frère, tu es le pasteur? Tu es quelle église? Moi, je suis l'église de Jésus. Qui est ton pasteur? Mon pasteur s'appelle Jésus. Qui est ton apôtre? Mon apôtre s'appelle Jésus. Attends. Révérend. Non, moi, je ne veux pas te révérer. Ma Bible me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que le Dieu de la Bible. Le seul révérend que je connaisse, c'est Jésus-Christ. Amen. Si on me demande quel est son nom, pourquoi Moïse avait demandé ça aussi? Parce que vous allez chasser les démons. Et vous dites d'accord, mais vous le chassez, mais en quel nom? Au nom de Moïse, tu viens, Moïse, mais oui, c'est d'accord, mais le nom de Dieu, c'est grand. Et Dieu dit quoi? Si on te demande quel est mon nom, dis-le, celui qui s'appelle comment? Jésus m'a envoyé. Ça veut dire quoi là? Avant que tu le naisses, je suis là. Amen. Pendant que tu pleures, il est là. Amen. Pendant que tu es malade, il est là. Amen. Pendant que tes ennemis font des complots contre toi, il est là. Aya, en hébreu. Ce n'est pas le verbe être ici, ça vous le savez. Ça veut dire que il a toujours été là. Avant que les divinités de l'Égypte n'existent, je suis. Avant que Pharaon ne naisse pour manipuler mon peuple, je suis. Voyez? C'est terrible, Moïse reçoit cette révélation. Et en fait, quand Dieu lui disait je serai avec toi, il lui disait en même temps que ben, j'ai toujours été là. Ma soeur, mon frère, pendant que tu pleures, pendant que ta famille est combattue, ne pense pas, alors que tu crains Dieu, ne pense pas que Dieu ne te voit pas.
il a toujours été là. Amen. C'est qu'il permet tes difficultés pour que son nom prenne toute sa signification dans ta vie. Tu comprends? Et regardez, dans Juges 13, il est dit qu'un autre peuple combattait les Hébreux, les Philistins. Dis à ton voisin, les Philistins. Et d'abord les Égyptiens, ensuite les Philistins, plein de peuples. Et Dieu, pendant 40 ans, les Philistins combattaient les enfants d'Israël. La Bible nous apprend, Dieu envoie un ange, l'ange de l'Éternel. Il va visiter un couple, Manoah et sa femme. Voyez, non? Et l'ange dit à la femme de Manoah, tu vas tomber enceinte. Tu donneras naissance à un enfant, tu l'appelleras Samson. C'est lui qui va libérer le peuple d'Israël. La femme en parle à son mari fait une prière. Dieu envoie de nouveau son serviteur, cet ange. Et l'ange revient. Et Manoah arrive et il lui pose la question, que doit-on faire? L'ange lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Frère, Manoah demande quelque chose à l'ange de l'Éternel. Amen. Il lui dit, donc, quel est ton nom pour que nous te rendions gloire quand ta prophétie s'accomplira? Amen. L'ange dit, pourquoi demandes-tu? Il est merveilleux. Dans l'autre version, il est dit, il est un mystère. Amen. Wow. Alléluia. Manoah avait connu, a compris que sans le nom de Dieu, il n'y a pas de délivrance pour le seul. Caché. Vous savez, pendant que Dieu me parlait de ce message ce matin, il m'a dit, Moïse avait reçu le nom de Jésus. Le nom de Jésus, oui, il l'avait reçu. Mais il n'avait pas compris parce que c'était un mystère. En fait, Moïse, dans Nombre 13, quand il a envoyé les espions, la Bible nous apprend qu'il a pris Josué, son serviteur, qui s'appelait, n'est-ce pas, il s'appelait comment? Osée. Dieu change, Moïse change son nom en quoi? En Josué. Yehoshua en hébreu, c'est-à-dire Jésus en grec et en français Jésus. Pourquoi Moïse avait-il changé le nom de Osée en Yehoshua, Jésus en grec et Jésus en français? Parce que Moïse avait compris que seul ce nom pouvait faire entrer les Hébreux dans leur héritage. Mais lui-même n'avait pas compris que c'était Jésus-Christ de Nazareth. La première fois dans la Bible où l'on voit le nom de Jésus, c'est avec Josué. Voyez, frères et sœurs, et Josué et Caleb étaient les seuls hommes qui étaient rentrés à Canaan. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ont la révélation du nom de Dieu rentreront dans leur héritage. Que des pharaons se lèvent ou pas, que des religieux se lèvent ou pas, que Satan se lève ou pas, pendant que les autres mourront dans le désert, les autres mourront sur cette terre, toi tu vas traverser, alléluia, le désert, tu vas rentrer dans le ciel. Tu sais pourquoi? Yeshua a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je sais qu'il y en a ici qui se disent, beaucoup les pasteurs tombent, est-ce que moi aussi je vais pas finir comme ça? Je veux te dire une chose, non, le problème c'est le nom. Non, non. Un enfant nous est
aussi avec la Trinité. Alléluia. Une doctrine démoniaque. Dis à ton voisin, une doctrine démoniaque. On nous a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois dieux. Alors que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Ok. Qui croit? On nous a fait croire. Mes amis, écoutez bien. On nous a fait croire que le Saint-Esprit était une personne indépendante, n'est-ce pas, du Père. Que le Père est une personne, le Saint-Esprit une autre personne, le Fils une autre personne. C'est pas ce que la Bible dit. Non. Posez-moi la question, pourquoi? Regardez. Qui? Marie était enceinte de qui? De qui? Comment? Par qui? Qui le croit? Par la vertu du Saint-Esprit. Ok, d'accord. Maintenant, si le Saint-Esprit est une personne autre que le Père, là il y a un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que le Père est le Père de Jésus-Christ. Mais pourtant on dit que c'est l'Esprit qui a enceinté Marie. Hein? Mais si l'Esprit n'est pas le Père, ça pose un problème. Donc là ça veut dire que le Père était cocu. Mais quand il y a une seule personne, il y a un seul Dieu. Tu ne l'as pas vu. Il n'a pas dit ça. Il y a longtemps que je suis le Jésus de Moïse là-bas. Celui qui s'appelle. Jesus Christ. Alléluia. My God. Bisous, chérie. Alléluia. Jesus Christ. Que je te propose. Allez.
faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils. Oh, oh, je leur ai fait connaître. Il disait ça, n'est-ce pas, dans Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître. D'accord. Dans Acte 4, Pierre dit quoi? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et cette pierre est devenue la principale. Il y a sous le ciel. Cantique de Cantique nous dit que son nom
est un parfum qui se répand. Quand, si tu portes ce nom-là, quand tu arrives dans une ville, avant la réunion, le parfum va se répandre. Les gens vont prendre les billets d'avion, les billets des trains, ils vont quitter leur travail, ils vont courir, ils vont dire non, Seigneur, attends-nous. Oh my God! Le nom de Jésus de Nazareth rend fou. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Frère, Jesus Christ, Jésus m'a dragué, je me suis laissé draguer. Dans la région de la mort, il est allé prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Désormais, il n'est plus peur de la mort. Même quand les médecins disent que c'est fini pour toi, dis, monsieur le médecin, je bénis Dieu. Parce que là où l'intelligence des hommes s'arrête, là où commence la sagesse de mon père, alléluia, je suis fille, princesse, je suis fils du roi des rois. Oh my God, Yahvé, comme je suis, comme Adonai, comme El Elyon, le très haut. Et vous savez quoi? Le nom le plus glorieux, c'est le nom qui nous a été révélé. Allez, baptisez en mon nom, guérissez en mon nom, évangélisez en mon nom. Il n'a pas dit au nom de l'église baptiste, au nom de quelqu'un, au nom de Jésus, rien que Jésus. Et la vie du seul nom est la parole de Dieu. Et on nous dit qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Attends. Il y a un problème là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole Dieu. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Au commencement était Chora. Chora était auprès de Chora. Chora est Chora. Et vous dites, c'est ça l'évangile, frère. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Elle s'est faite chair parce qu'elle voulait que tu reçoives la révélation de son nom. Et maintenant, frère, les sept fils de Séva dans Actes 19 ont vu Paul faire des miracles au nom de Jésus. Ils sont allés attraper un fou. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons ont dit non. Paul a fait alliance. Frère, quand on reçoit la révélation de son nom, on rentre dans l'alliance. Son nom nous sanctifie. Son nom nous délivre du péché. Nous délivre de la compromission. Ceux qui ont ce nom-là n'acceptent jamais le divorce et le remariage. Ceux qui ont ce nom, frères et sœurs, refusent le mensonge. Ceux qui ont ce nom, frère, n'écoutent plus Rihanna, n'écoutent plus Beyoncé. Je sais en qui j'ai cru. Je suis la frère. Je marche tête haute. Parlez, critiquez. Je bénis Dieu. Je porte un nom. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Sois fier de ton Dieu. Sois heureux parce que Dieu est avec toi. On va te lapider. C'est normal parce que tu portes ce nom-là. Jesus Christ. Hein? Toi, tu viens ici au nom de qui? Oh, mais qui t'a envoyé en Belgique? Je viens à Bruxelles quand Dieu me dit d'y aller. Vous les bishops, que vous le vouliez ou pas, nous viendrons à Bruxelles. Nous irons dans toute la Belgique. Car celui qui m'a donné son nom, celui au nom de qui je viens ici, a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés-là ouvrent toutes les frontières. Les Belges, les Maghrébins, les Noirs, les Français, les Européens, les Lubas, les Congolais, les Métis, les Chocolats, les Blancs, les Marrons, les Noirs, les Verts. Frère, quand l'évangile arrive quelque part, il n'y a plus de barrières. Voilà pourquoi ça
soir, on est de tout. Parce que c'est le parfum qui se répand. Vous savez, mon secret, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de gris-gris derrière. Oh non, il est pharmacien, je ne suis pas un pharmacien. Non, il a une épée bizarre. Non, j'ai une épée, oui. Parce que Hébreux 4 dit, car la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Il y a des gens qui vont t'acclamer malgré eux. Tu sais pourquoi? Quand tu n'es pas là, ils te critiquent. Derrière ce nom, l'esprit qu'il y a derrière,
sainteté, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour. Amen. Cet esprit qui nous pousse à intercéder pour les faibles, à gémir pour les autres, à gémir devant Dieu, frères et sœurs. Oh oui, mais les enfants de Dieu, ils vont recevoir de plus en plus la vie qu'il y a dans ce monde. Amen. Aucun autre nom nous est donné sous le ciel. Je dis bien aucun autre nom. Donc quand des gens viennent me demander, est-ce que tu es baptiste? Je ne suis pas baptiste. Non, il faut faire la théologie, mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mon problème, c'est ça. À cause de ça, je les combats. Non, il exagère. Non, mais je ne veux pas me compromettre. La Bible dit que ce nom est la parole de Dieu. Mais c'est clair, Apocalypse 19, 13 le dit. Ce nom est la parole. Si on se dit de Jésus, on doit aimer la parole de Dieu. Si on se réclame de Jésus, on doit aimer l'évangile. Amen. L'évangile nous présente quoi? Un seul Dieu. Alléluia. Qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. N'allons pas diviser ce Dieu en trois personnes distinctes. Il n'y a aucun verset qui dit que le Père est une personne à part, le Fils est une personne à part. Il n'y a aucun verset qui le... aucun. Et on dit non, par rapport à ce baptême, il y a eu la voix, il y a eu l'esprit comme une colonne. C'est Jean qui a vu ça. Il le dit dans Jean 1 là-bas. C'est Jean qui a vu et qui a témoigné. Moïse, oh alléluia, a libéré le peuple grâce au nom. Et depuis 6 ans et demi, 7 ans, Dieu m'a fait écrire un livre sur la révélation du nom de Jésus. Je viens de le finir. Il m'a enseigné tellement de choses. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a 7 dispensations, 7 temps, 7 âges. Et dans chaque âge, le nom de Dieu est révélé. Dans Genèse 1, il se manifeste comme la lumière. Bereshit bara Elohim. Voyez, la lumière. Dieu dit que la lumière paraisse. On a écrit dans nos versions que la lumière soit. Non, c'est pas le verbe être. Que la lumière paraisse. Amen. Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Waouh. Voyez, les 7 âges, l'ange de l'Éternel, Melchisedec. Ces hommes ont reçu des révélations partielles de Jésus de Nazareth. Mais quand de lui-même est venu, Emmanuel, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Gabriel l'a dit, on l'appellera Emmanuel. Frère, j'ai vu Gabriel. Je l'ai vu comme ça. C'est l'ange de la révélation. J'ai parlé avec lui longuement. J'ai vu ses yeux comme ça. Il avait une outre, il m'a fait boire de l'eau. Gabriel a parlé d'Emmanuel, cet enfant-là, Jésus. Frère, écoutez. Cet enfant, bébé, qu'il était là. Bébé, encore bébé. Comment quelqu'un peut être à la fois bébé et une étoile au ciel qui indique les marches, qui montre aux marches le chemin? L'étoile brille du matin, c'est Jésus. Pierre dit que Jésus est l'étoile brille du matin. Et Jésus dans Apocalypse 22 qui se définit comme l'étoile brillante du matin. Mais il est Dieu, il peut être étoile là-haut et bébé ici. Il peut être là-haut, père et ici. Mais il est Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est Dieu. N'allons pas créer 3 dieux. Revenons à la parole. Revenons à l'évangile pur. Revenons à la sainte doctrine. Vous savez pourquoi les démons règnent dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises? Parce que le nom de Dieu n'est plus tellement connu. C'est superficiel. J'ai vu comment Gabriel est puissant au ciel. J'ai vu Michael qui est un peu plus loin. Comment cet ange peut être apparu à 2 reprises, cet archange à 2 reprises. Il fait au moins 4, plus de 7 mètres. C'est un géant. Et ces anges-là, devant le nom de Jésus, quand on prononce le nom de Jésus au ciel, tous ces grands archanges, il y en a des milliards et des milliards. J'ai vu cette armée d'archanges, c'est impressionnant. Mais tous ces archanges, devant le Créateur, dans le bout, ils sont à genoux, ventre par terre. Quand ce nom est prononcé, sous l'enfer là-bas, oh les humains ne connaissent pas leur Dieu. Sous l'enfer, à chaque fois que le nom de Jésus est prononcé avec vérité, Satan quitte son trône. Alléluia. Il se met sur le ventre, à genoux. Alléluia.
démons disent que vous pouvez toucher à tout le monde. Mais si vous touchez aux enfants de ce vieux papa, comment il appelle? Quand on prononce son nom, il descend tout de suite. Et les vrais chrétiens qui portent ce nom, leur visage brille dans le monde spirituel. Ils sont entourés d'un feu. Ils dorment dans ce feu. Car le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a Elohim. Dans le nom de Jésus, il y a El Shaddai. Dans le nom de Jésus, il y a El Elyon. Dans le nom de Jésus, il y a Yahvé Shkenu. Il y a Yahvé Shiré. Dans le nom de Jésus, quand vous invoquez le nom de Jésus, les sept dispensations se mélangent. Il y a des bombes qui sortent de nulle part. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est normal parce que notre papa est le père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Puisse le Seigneur nous éclairer encore de plus en plus afin qu'à notre tour, nous éclairons ce monde.